Moyo na ba téléspectateurs banso ba Congo Live Télévision mbote zeno na babino nyoso bozali kolanda biso tolobi mbote na ba téléspectateurs nyoso ya Congo Live Télévision bakei kolanda beto na ngunga yai na diaspora tolobi mbote na ba téléspectateurs banso ba Congo Live Télévision bakei kolanda beto na ngunga yai depuis lomami baye moko bazali na Kikwiti baye bazali na Luala ba bamosusu bazali na chopo Kisangani mwene ditu lomami tozolo bela awa na al Congo Central pourquoi pas baye nyosu bazali na Matadi baye bazali na Goma sitki vubuka vu baye bazali na Kale tolobi mbote a zeno na mukolo mwalelo nazali Yusufu Kibingila a David oyo azalaka wana pona kokabela bino basango ya makambo elekaka en République démocratique du Congo surtout est parti kotoyo bitumba place bizali tozali awa kopesa bino lesusu makambo oyo ezoleka na parti est ko décrypte makambo na bisu ya lelo tokolobela mingi mingi situation sécuritaire oyo ezole kanakati ya territoire ya Rutshuru, territoire ya Masisi, territoire ya Nyiragongo, mais également tokolobela sur le tondi ya territoire national oyo ya République démocratique du Congo, nini ezo salema concrètement. Pona kobanda bandeko balandi ya Congo Live Télévision, bambote na biso ekomela bino bisika bozali, tozo kende kobwake la ba fleur na ba FRDC Force Armée de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas ba jeune résistant wazalendo ba yenyo solelo, bazo tia mitema na bango pour ke ba défendre ba wapo na ekolo na biso. Tozo kende kope sape félicitation na ba Congolais banso ba yenyo so ba fandi na diaspora me mitema na bango. Ezalaka na kati ya mboka na biso, c'est-à-dire bazalaka kuna me bazali kotoyo bazo sunga bandeko na biso banso bazali en République démocratique du Congo. Na baye nyoso ba bungisaki bandeko na bango, ba papa na bango, ba mama na bango na nouvelle attaque oyo ya ba ADF basalaki na kati ya Beni na butu ya mercredi toke kope sape a condoléances na biso ekomela bino bisika kuna boye bake ba kongomani nyoso bazali na mutema moko bazali kobanza boni bakosala nyoso batia pression bakonzi ya mboka pour que bitumba esila mais au-delà bitumba ba attaque ya ba insécurité dans la région ya nord oyo Beni Butembo Lubero ba bloko nyoso zo kende kuna esila nango mukolo oyo ezo oya. Tozo lobela pwena biso ya yambo na mukolo mwalelo ba ndeko ba landi ba Congo Live Television ezali kokoma ya mukunzi Christian Chiwewe General d'Armée oyo akoma ki na province Nord Kivu depuis deux jours azali awa ndenge bozo mona ezo tambula na ba réseaux sociaux akoma ki ye moko aye na ba komanda des opérations bango nyoso baye pona kolandela likambo oyo ezoleka na kati ya Est République démocratique du Congo boyebi eketozalaki ko déplorer ba etu ebele balobaki yango ba analyste indépendant balobaki yango peuple congolais baye bafandi na diaspora baye bafandi na kati ya mboka bazalaki ko déplorer le fait que esengeli Christian Tshiwewe aya komi installé na kati ya ville ya Goma aya komi installé na kati ya région ya Beni, aya komi installé na kati ya territoire ya Rutshuru, aya komi installé na kati ya territoire ya Masisi, mais également azala pe na résidence nae na kati ya territoire ya Nyiragongo. D'après plusieurs Congolais, bazalaki ko estimer que soki mokonzi wana aza chargé na bitumba, a représenté ba militaire nyoso na kati ya mboka na biso, aye ko fanda parti kotoyo solution ko kende makasi parce que ye moko akozala wana pour contrôler au moins tout ce qui se passe sur les lignes de front. Yango tolobaka awa chaque jour sur Congo Live Télévision ezalaka na tina ebele bo tiaka ba commentaire na bino ezalaka na tina ebele bo emetraka ba idée na bino ezalaka na tina ebele bo loba nini bino bozo kanisa parce que ce que vous dites au moins na ba commentaire na ba réseaux sociaux ba konzipe ba yo kaka et puis ba trié ba moni ya wapi eza bien ya wapi ba kolandela yango tina mokonzi Christian Tshiwewe le général d'armée oyo azo représenter le corps militaire
Oyo lelo atelemeli ba soda nyonso en République démocratique du Congo, aza na kati ya Goma na ba chef ya ba opération nyonso. En mission de travail au chef-lieu de la province du Nord Kivu, le chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Christian Tshiwewe, a présidé ce jeudi 13 juillet 2024 à Goma une réunion de haute portée sécuritaire et stratégique. C'était à l'intention des commandants des opérations pour évaluer la situation sécuritaire actuelle qui prévaut dans cette partie de la RDC, comme l'a révélé le lieutenant général Fall Sikabwe, chef d'état-major de forces terrestres et coordonnateur des opérations au Nord et au Sud Kivu. Nous retenons que le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a effectué ici à Goma une grande mission de travail avec tous les commandants des opérations. Il s'agissait d'évaluer la situation opérationnelle et d'émettre certaines options qui pourront résoudre certains problèmes que nous connaissons sur terrain. Tout en reconnaissant la souffrance des populations déplacées de guerre, le lieutenant général Fall Sikabwe a rassuré que l'armée loyaliste est prête à répondre à ses attentes. La population a assez souffert. Aujourd'hui, nous avons dénombré près de 12 millions de cas de décès suite aux affres causées par notre voisin, le Rwanda. Aujourd'hui, nous avons 3 millions de déplacés internes, la population qui a dû quitter leur foyer d'origine pour se retrouver dans des taudis, dans des situations invivables. Tout cela par les affres de la guerre causée injustement par notre voisin. Eh bien, nous disons à la population, nous n'avons pas deux nations, nous avons une seule nation congolaise. Nous n'avons pas deux républiques, nous n'avons que la République démocratique du Congo. Nous avons le slogan qui émane déjà de la population, qui dit Bendele Ekoyate. Pour que Bendele Ekoyate, il faut que la population soutienne son armée. La population devrait marcher avec son armée. Et nous, en tant que l'armée, nous allons fournir des efforts pour répondre aux attentes de cette population. La population attend beaucoup de notre armée. Nous en sommes conscients, nous en avons parlé dans cette réunion sous l'égide du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Et il y a certaines capacités qu'il va mettre à notre disposition pour répondre réellement aux attentes de la population. Signalons que le FARDC reste déterminé à rétablir la paix et la sécurité en faveur des Congolaises et Congolais. Lobi basala ki réunion munene ndenge bozo tala na vidéo oyo ezo alakisama télé eza radio te sengeli ba image palpable ezalaka e salema ki eke bafanda ki kati na bango ba généraux bafanda ki na kati na bango pour ke ba discuter nini oyo esengeli basala pour apporter au moins une solution sur la situation ya insécurité dans l'est du pays. Bafanda ki na bango, basolo ki na bango, donc awa tozo zela, toyoka masolo décision nini oyo bango bazwaki pour ke bami déployer bakende ti sur le premier ligne de front. Yango batu bazo senga lelo esengeli asala a toi 2 ou 3 mois ici pour que esalema asala pe ba rotation sur les lignes de front a contrôler aye ba c'est quoi le problème. Soda oyo ya mulongo ya suka nini ezo tungisa elelo. Soda oyo azo lala te, azo tika la wana kokenge la ba lunye de front, kokenge la ba parti, kokenge la banzela nyoso, kokenge la pour que les Ougandais n'avancent pas, pour que les Rwandais n'avancent pas. Soda wana problème na ye ezali nini. Ko sika la kuna ba beta na présence na ye, ye moko ba conduire ba opération. Ba kongomani ebele, ba zo estime ke likambo oyo suki esalemi e ko apporter facilement dans un peu de temps solution dans la guerre à l'est du pays. Parce qu'il y a que ça la lelo, au moins lelo, il y a que ça la lelo, exacte, ce qui exacte que ça la bitumba. Bitumba esengeli esalema, esengeli ba beta banguna. Depuis un certain temps, nous voyons la détermination de l'armée congolaise. Depuis un certain temps, nous voyons comment est-ce qu'ils sont en train de se battre. Ils donnent que ibabazo mouye ba mayo na bango pour que ba défendre parti à mboka na biso. Yango wana donc, première nouvelle na biso ya lelo kolobela que ba konzi ya mboka bazali na kati ya mboka wa le général Christian Tshiwewe na staff na emo bimba ya ba généraux nyonso ya ba congolais bazali awa et puis bazolandela ba opération baye eza mission ya musala baye eza kotambola te na présence na e tolingi toyoka
que deux ou trois jours awa nzela route nationale numéro 2 et fungwa mi, c'est-à-dire ezana ba targets oyo bazo mitié la lelo ezana ba tarifi na ba objectif voulais-je dire oyo bazo mitié la lelo ya kolobaeke dans quelques jours esengeli bitumba oyo esila pour que bana mboka bazonga ba mboka na bango batu oyo bazo souffrir dans les camps de déplacés au moins ba revenir aujourd'hui na kati ya ba champ na ya ba bilanga na bango ba revenir na kati ya ba village na bango na ba groupement na bango na ba secteur na bango pour que aujourd'hui bango pe ba mi sentir quand même bien pour que aujourd'hui ba sentir que baza bazo vivre kimia na kati ya mboka na bango oyo ezali République démocratique du Congo. En prenant la parole, les commandants des opérations dans la province du Nord Kivu et Sud Kivu, le général Fal Sikabwe Fal, la population a assez souffert. On a déclaration à Fal Sikabwe. Aujourd'hui, nous avons près de 12 millions de cas de décès suite au conflit causé par notre voisin le Rwanda. Soutenir na ba belligérant na bango mosusu. 12 millions. Koza ba mboka mosusu eza tan effectif wana te lokola ba peuple ya nation na bango. Ba oyo ba kufa na kati ya République démocratique du Congo dans l'est du pays causé seulement par le Rwanda. Au moins 12 millions. Ka ya batu oyo ba kufa. Eza moko ya message ya benga ki ya tia ki message wana pona koloba eke esengeli aujourd'hui comme ce siloga règne trop et cela a été initié par la population ke bendele ekwe ya te. Eza moko ya ba terme, moko ya ba siloga oyo population yango moko e loba ki ke esengeli e sala yango bendele ekwe ya te. Lui-même en a appelé la population congolaise. Baye oyo baza na kati ya mboka, baye oyo baza libanda ya mboka. Ya kosungana na FRDC parce que aucune armée sur na mokili ekolonga bitumba sans que ez la bonne collaboration na peuple lango abengaki population congolaise ba kongomani nyoso ba soutenir FRDC pour que to mona boni bitumba oyo ekosila. Voilà donc les messages ya Fal Sikabwe et général oyo aza chargé na ba opération à province oyo na province ya Sud Kivu. Une nouvelle tentative de contrôler la cité de Kanyabayonga par les terroristes RDF, UPDF. UPDF, c'est Bakisami, sévèrement réprimé par le FRDC et les Wazalendo. Plusieurs morts parmi les terroristes, dont les forces spéciales UPDF. Malheureusement, chez YouTube, toujours respecté Balini Moko Moko. Sinon, on allait vous balancer ces images. Mais ça fait froid même au dos de les voir. Comment est-ce que le UPDF, armée à UPDF, bazo si la paix sur les lignes de front. Et là qui tour yaba RDF, le lo exact tour yaba UPDF. Boni bazo soutenir bande kuna bango sur les lignes de front et que l'armée congolaise continue à bloquer ba tentative na bango. Hier, c'était depuis 5 heures. Il y a lobby. Lobby est là qui j'ai dit. L'UPDF, l'armée rwandaise, va sangisanaki pour venir faire de nouvelles attaques. La tentative na bango mosusu bayaka ko sala ngo lobby. Mais heureusement, le FRDC balala kité d'après plusieurs personnes dans la zone font oyo bazo yebisa biso na mokolo mwalelo et que ba armée congolaise balala kité et puis ba repoussa ki tentative wana. Au-delà de repousser tentative wana, basala ki même ba bombardement na ba position ya banguna. Voilà donc ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que la population au moins demande et FRDC que balalate, ba continuer na ela wana, ba mi pesa te et pa ya munguna. Basala ba repli stratégique te, ba lembate parce que bazana soutien au moins ya peuple congolais. Lobby autour de la cité à Kanyabayonga à 15 km. Parce que si on repousse bango à 15 km, on va bango à 4 km, on va à 15 km, intervalle à 11 km, on va à Nango. Basi basali. Armée rwandaise, armée ougandaise, balinga ki bazwa lisusu cité wana. Balinga ki bazwa ndenge bazolinga, mais ça ne tue pas.
Il y a une forte résistance à Kanyabayonga, comme une autre forte résistance au Ezali dans la cité de Sake. Basi ba lela bazwa cité wana mesimbate. Yo lo bagake no bazo sale lo côté. Non, il travaille. Le faire de ce travail. Bazo sala musala oyo sengeli basala. Bazo sala boulot oyo sengeli basala. Bazo mi pesa. Ils sont en train de mouiller leur maillot pour voir comment est-ce que bako libéré mboka na biso. Et ce qu'il faut toujours retenir, les FRDC contrôlent jusqu'à présent, jusqu'à matinée à l'élo vendredi, toujours le Belalikambo Yango, FRDC bazo contrôlé la cité stratégique de Kanyabayonga. Naba position moko moko, oyo ba rebelle du 1-23 bazara ki ko occupé jusqu'à présent, ezana maboko ya ba FRDC. Troisième point, Nabiso, toujours le Bela Lelo, Makambo, toujours dans le territoire de Rutshuru. Parce que dans le territoire de Masisi, depuis un certain, une semaine comme ça, il n'y a pas des affrontements. Les affrontements ne sont pas signalés de l'autre côté. Depuis que la SADC a lancé des bombes sur les rebelles du 1-23 dans le territoire de Masisi jusqu'à aujourd'hui, vraiment, il faut être clair et dire la vérité qu'il n'y a pas encore les affrontements. On ne sait pas. Les rebelles, ceux qui sont Lemba, ceux qui sont Banga, ceux qui sont Banga, ceux qui sont Zanini, ils n'ont plus lancé les opérations. Et les populations congolaises, ils sont dans la SADC et continuent les opérations et observer qui m'y a été. Mais ils continuent, ils enchaînent. Heureusement, dans mon coin, il y a un message au EPS Makilobi, à mon conseil armé, à Zaliawa, et à Koloba, à mon abonné, SADC est lancé directement les opérations pour voir comment en finir une fois pour toutes avec la rébellion du M23, soutenue par l'Ouganda, soutenue par le Rwanda, et quelque part, d'autres analystes congolais font savoir que même le Kenya soutient la rébellion du M23. Un certain 13, entre jeudi et mercredi comme ça, c'était un certain 13 juin 2022, l'Obiezaki juin. 13 juin 2024, ça dit déjà que les rebelles du 1-23 sont à Bunagana. 2 ans déjà, aujourd'hui, ils ont occupé cité Oana, stratégique cité frontalière, Oyo, Alelo, FRDC, ils ont mouillé, Bamayo, Nabango. Yango, ils ont même Moko, Yaba, motif, Oyo, Tinda, qui le général d'armée a quitté Nagoma pour voir comment est-ce qu'il faut déloger les rebelles, les deux instabiliser. Et voir comment est-ce qu'il va récupérer Bunagana. Ne vous inquiétez pas, Makambo Oyo armée zo salalelo. Makambo Oyo bazo préparé d'après ba briefing Salema Kilobi, d'après ba message Oyo et Yokama Kieke, bazo préparé ba mona boni bazo lancer ba opération une fois pour toutes et récupérer ba localité nyoso, récupérer ba cité nyoso, ba bisika nyoso, banguna ba fandi. Yango peza moko ya mituna toyebisaki bango eke jusqu'à aujourd'hui Bunagana eza na kati ya maboko ya ba rebelle du 23 jusqu'à aujourd'hui Ruba ya ba rebelle bazo zo yango mais réponse o epesa maki pa na biso eke dissipé tozo lancer ba opération pour mettre fin une fois pour toutes ba ebisi biso comment est-ce qu'ils sont en train de maîtriser l'ennemi, comment est-ce qu'ils sont en train d'infliger de pertes lourdes chez l'ennemi, comment est-ce qu'aujourd'hui l'ennemi est encerclé à Rubaya. L'ennemi ne sait plus comment sortir. L'ennemi n'a plus de sortie. Donc, nenge akota basi bakangeli na kati. L'ennemi a aujourd'hui peur que basale la e makambo oyo basale la ki na kati ya Rutshuru pour que atikape ba munition na e. Voilà donc ba information quant à ce qui concerne ba nouvelle oyo en République démocratique du Congo na kati ya parti est nango. Nini tokolobela lelo. Avant-hier kokoma ya Non, exactement avant-hier. Toujours le Bela. Depuis Oyo base, Oba munition, Yakagame et Zouamaki dans le territoire de Rutshuru et dans le territoire de Masisi. Après avoir infligé, ba perte Oyo Munene Munene, Babila Munene Munene, na armée rwandaise, Yoka Makambo Kagame a salaki. L'état qui bazo préparé pe ba élection awa na juillet. Nini Kagame a sali lelo. Wanaza information venir fraîchement du Rwanda. Nini Kagame asali lelo. Comment est-ce qu'on peut interpréter? Toko interpréter le Kambo wana ndenge nini?
Comment est-ce que nous pouvons interpréter ce message? Le fait qu'il y a bandit déjà que ça les lokoana. Ezo ça les mananini, ezo yo kamananini, nini ezo pousseye que ça la likambwana. Paul Kagame, président rwandais, a remanié son gouvernement et les services et les renseignements à un mois des élections présidentielles. Cela, quelques jours après que son armée subisse des frappes en République démocratique du Congo, dans la partie Est. Paul Kagame a remanié son gouvernement, notamment aux affaires étrangères. Walande Biska Bandelaki. Aux finances et à l'intérieur, peine à défense. Il a également nommé un nouveau chef de renseignement militaire, selon un communiqué publié par Kigali. Ce dernier semble être frustré, ne sachant rien de ce qui concerne l'avenir. Les lois ont semblé qu'ils soient frustrés. Ayebite ni neza lobby, ni ne koza la lobby. Mabe asala ebele. Batoua Bouma Ebele, Nino ya salate. Et il voit Azomona déclin naye, Azomona shit naye. Et d'autres bazolo bake shit naye, et si est commis. Yangwa bandiko changer batou. Parce qu'aujourd'hui, au moins, d'après certaines informations qui viennent du coin, que Azo sale la même batou, oye baza pene naye confiance te. Parce que ayebite, nani oyo akozala jida naye, nani oyo akouanga naye, nani oyo akope saye. Nani oyo akosala ye mabe lelote. Na ba jeune rwandais nyonso oyo baza motivé koya na bitumba. Bota la musika. Vous n'avez aucun intérêt à venir mourir dans l'est de la RDC. Eke esengeli bomo na musika. Kagame va passer bino bozo tika ba famille na bino ba ofele. Bino boko zala na intérêt nini na kati ya lite ya Kagame. Ezate. Voilà donc ma information oyo basango tuzaki nango na mukolo wa lelo. Tolobi matondo mingi na ba kongomani nyoso oyo balandaki biso. Yango ba information biso tuzalaka wana po toka bela bino basango. C'est notre travail. Nous avons toujours été là pour vous informer davantage, surtout de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Eza moko ya misala oyo topona kosala pona ekolo. Moko ya misala oyo lelo biso toloba soki tokokufa mais tokufa le temps que eyebama Kagame na bandeko na ya Uganda na bandeko na ya Kenya bazo sala biso mabe na mokolo mwa lelo. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Nazalaki wabino Yusufu Kibingila David, journaliste d'investigation basé en République démocratique du Congo. Natikali disponible au plus 243 993 46 71 93. Matondo mingi bandeko na biso banso oyo balandaki biso na mokolo mwa lelo. Tolobi bonne journée à vous et puis na mokolo mwa koya pona basango na biso yasika.